Les médinas du Maroc. Au Maroc, les médinas organisent chaque année des manifestations culturelles et artistiques. C'est le cas, par exemple, de Chef Chaouan, de Casablanca et de Tiznit. À Chef Chaouan, le festival, l'Aouyachir, dure un mois. Les habitants de cette ville embellissent les murs, les portes de la médina pour la rendre plus belle et attractive. À Casablanca, l'association Casa Mémoire organise les journées du patrimoine de cette ville. Elle programme des activités ludiques, artistiques et culturelles. À Tiznit, le festival Timizar propose une exposition de produits artisanaux, des spectacles de fantasia. Les médinas du Maroc. Au Maroc, les médinas organisent chaque année des manifestations culturelles et artistiques. C'est le cas, par exemple, de Chef Chaouan, de Casablanca et de Tiznit. À Chef Chaouan, le festival, l'Aouyachir, dure un mois. Les habitants de cette ville embellissent les murs, les portes de la médina pour la rendre plus belle et attractive. À Casablanca, l'association Casa Mémoire organise les journées du patrimoine de cette ville. Elle programme des activités ludiques, artistiques et culturelles. À Tiznit, le festival Timizar propose une exposition de produits artisanaux, des spectacles de fantasia. Les médinas du Maroc. Au Maroc, les médinas organisent chaque année des manifestations culturelles et artistiques. C'est le cas, par exemple, de Chef Chaouan, de Casablanca et de Tiznit. À Chef Chaouan, le festival, l'Aouyachir, dure un mois. Les habitants de cette ville embellissent les murs, les portes de la médina pour la rendre plus belle et attractive. À Casablanca, l'association Casa Mémoire organise les journées du patrimoine de cette ville. Elle programme des activités ludiques, artistiques et culturelles. À Tiznit, le festival Timizar propose une exposition de produits artisanaux, des spectacles de fantasia. Les médinas du Maroc. Au Maroc, les médinas organisent chaque année des manifestations culturelles et artistiques. C'est le cas, par exemple, de Chef Chaouan, de Casablanca et de Tiznit. À Chef Chaouan, le festival, l'Aouyachir, dure un mois. Les habitants de cette ville embellissent les murs, les portes de la médina pour la rendre plus belle et attractive. À Casablanca, l'association Casa Mémoire organise les journées du patrimoine de cette ville. Elle programme des activités ludiques, artistiques et culturelles. À Tiznit, le festival Timizar propose une exposition de produits artisanaux, des spectacles de fantasia. Les médinas du Maroc. Au Maroc, les médinas organisent chaque année des manifestations culturelles et artistiques. C'est le cas, par exemple, de Chef Chaouan, de Casablanca et de Tiznit. À Chef Chaouan, le festival, l'Aouyachir, dure un mois. Les habitants de cette ville embellissent les murs, les portes de la médina pour la rendre plus belle et attractive. À Casablanca, l'association Casa Mémoire organise les journées du patrimoine de cette ville. Elle programme des activités ludiques, artistiques et culturelles. À Tiznit,
Le festival Timisar propose une exposition de produits artisanaux. Des spectacles de fantasia. Les médinas du Maroc. Au Maroc, les médinas organisent chaque année des manifestations culturelles et artistiques. C'est le cas, par exemple, de Chef Chaouan, de Casablanca et de Tiznit. À Chef Chaouan, le festival, l'Aouiachir, dure un mois. Les habitants de cette ville embellissent les murs, les portes de la médina pour la rendre plus belle et attractive. À Casablanca, l'association Casa Mémoire organise les journées du patrimoine de cette ville. Elle programme des activités ludiques, artistiques et culturelles. À Tiznit, le festival Timisar propose une exposition de produits artisanaux, des spectacles de fantasia. Les médinas du Maroc. Au Maroc, les médinas organisent chaque année des manifestations culturelles et artistiques. C'est le cas, par exemple, de Chef Chaouan, de Casablanca et de Tiznit. À Chef Chaouan, le festival, l'Aouiachir, dure un mois. Les habitants de cette ville embellissent les murs, les portes de la médina pour la rendre plus belle et attractive. À Casablanca, l'association Casa Mémoire organise les journées du patrimoine de cette ville. Elle programme des activités ludiques, artistiques et culturelles. À Tiznit, le festival Timisar propose une exposition de produits artisanaux, des spectacles de fantasia. Les médinas du Maroc. Au Maroc, les médinas organisent chaque année des manifestations culturelles et artistiques. C'est le cas, par exemple, de Chef Chaouan, de Casablanca et de Tiznit. À Chef Chaouan, le festival, l'Aouiachir, dure un mois. Les habitants de cette ville embellissent les murs, les portes de la médina pour la rendre plus belle et attractive. À Casablanca, l'association Casa Mémoire organise les journées du patrimoine de cette ville. Elle programme des activités ludiques, artistiques et culturelles. À Tiznit, le festival Timisar propose une exposition de produits artisanaux, des spectacles de fantasia. Les médinas du Maroc. Au Maroc, les médinas organisent chaque année des manifestations culturelles et artistiques. C'est le cas, par exemple, de Chef Chaouan, de Casablanca et de Tiznit. À Chef Chaouan, le festival, l'Aouiachir, dure un mois. Les habitants de cette ville embellissent les murs, les portes de la médina pour la rendre plus belle et attractive. À Casablanca, l'association Casa Mémoire organise les journées du patrimoine de cette ville. Elle programme des activités ludiques, artistiques et culturelles. À Tiznit, le festival Timisar propose une exposition de produits artisanaux, des spectacles de fantasia. Les médinas du Maroc. Au Maroc, les médinas organisent chaque année des manifestations culturelles et artistiques. C'est le cas, par exemple, de Chef Chaouan, de Casablanca et de Tiznit. À Chef Chaouan, le festival, l'Aouiachir, dure un mois. Les habitants de cette ville embellissent les murs,
les portes de la Médina pour la rendre plus belle et attractive. À Casablanca, l'association Casa Mémoire organise les journées du patrimoine de cette ville. Elle programme des activités ludiques, artistiques et culturelles. À Tiznit, le festival Timisar propose une exposition de produits artisanaux, des spectacles de fantasia.